Alors là, vous pouvez. Je suis à fond. Ah là, j'ai tué plein, plein, plein de vaches. Eh bien, salut les amis, ça s'appelle Bibo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre série Aventure. Voilà la série où je vais aller vivre dans le Nether. Alors, avant de commencer, quelques petites choses à dire. Merci beaucoup pour les 200. Je suis très content. Les 200, on les a passés quand même il y a assez longtemps, mais. J'ai pas fait de vidéo depuis, voilà, donc merci beaucoup pour les 200 tout le monde. Après, j'ai une autre information, vous vous rappelez dans la vidéo que vous avez sans doute vue avec moi et OneOGame, bien sûr. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, le lien est dans la description, parce que franchement, c'est une vidéo que j'ai adoré faire, qui est vachement sympa, vachement cocasse à des moments, hein, très drôle. Et donc, voilà, dans cette vidéo, ce que j'ai dit, c'est que j'avais donné beaucoup de skins sur mon serveur Discord. Et que j'ai dit, s'il y avait un grand nombre d'abonnements, j'allais donner le mien pour que vous puissiez jouer avec, logiquement. Mais j'ai pas précisé combien d'abonnés, voilà, je mettrais. Bah, j'ai fixé un seuil, quand même un gros seuil. Un seuil qui va être difficile, mais j'ai envie de tenter le défi. Le seuil des 1000 abonnés, voilà, si j'atteins les 1000 abonnés, et bien sûr, vous aurez ce skin. Voilà, et ça serait rigolo, voilà, si vous avez ce skin, de vous trouver sur le serveur et d'avoir des petits mois, des fois, ça serait sympa. Sachant que je peux vous dire, hein, le serveur où je vais le plus souvent, voire tout le temps, c'est vraiment mon serveur préféré, c'est The Hive. C'est vraiment un serveur que j'aime beaucoup, il y a plein de trucs super cool dessus, j'aime bien. Même si c'est quand même des concepts qui existent déjà, la façon dont c'est fait avec j'aime bien les minerais qu'on mine pour avoir des objets spécifiques, comme des espèces de petits lucky blocks spécifiques. Bien, franchement, j'adore ça et il y a plein aussi d'autres jeux que j'adore faire dessus. Donc, je vous invite, hein, voilà, si vous avez envie de me voir en vidéo ou pas, et je vous invite à aller sur ce serveur, c'est là où je serai le plus souvent. Je vous fais pas plus attendre avec cette intro qui est quand même suffisamment longue. On va tout de suite aller jouer. Hop, je me mets en normal et on va pouvoir y aller. Donc la dernière fois on avait trouvé pas mal de diamants, 11. Ah oui, c'est quand même beaucoup. Alors je vais tout de suite manger. Alors je vais tout de suite, je pense que je vais voilà, me faire une pioche. Oui, en diamant pour me faire une table d'enchant. C'est plus important. Par contre, j'ai plus de bois. Où est mon bois? Je veux mon bois. Est-ce que j'aurais mis dans un coffre par hasard? Ouais, mais il y en avait vraiment que dalle en fait. J'ai fait cette maison, c'est plutôt cool. Je suis content. Hop. Les petits bâtons, on va faire la pioche vite fait. Tac, normalement il m'en reste 16, j'en ai 8. Voilà, je vais garder ça là au cas où je décède. J'ai aussi trouvé, parce que entre-temps j'ai commencé, j'ai fait avec des potes un serveur privé super cool. On a fait plein de trucs super bien. Je sais pas, peut-être qu'un jour je vous le ferai visiter, ça serait sympa. Et voilà, c'est vachement amusant. Et j'ai trouvé une nouvelle technique pour trouver du diamant encore plus efficacement. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vous montre un petit peu. Et après, je vais miner tout seul. Hein, parce que franchement, ça risque d'être un petit peu chiant de me voir miner pendant 25 minutes pour trouver peut-être quelques diamants. Bon, même si en 25 minutes, je trouvais 8 à 10 diamants en moyenne. C'est vraiment très efficace. Hein. Après, il faut quand même avoir un petit peu de chance. Non, je vais miner quelques arbres. Enfin, tailler, couper. Tronçonner, je ne sais pas. Salut petit cochon, je suis vraiment désolé, mais voilà, tu me donnes faim. Merci. J'ai plus d'espace dans mon inventaire. Voilà, c'est bon. Hop, je vais aller tout de suite. Alors la mine, je me rappelle même plus où j'ai fait. Je crois que j'ai fait un trou. Voilà, j'ai décoré, j'ai fait un truc un peu bizarre. À côté, est-ce que j'avais mis dans les fours? Alors j'en ai four, j'avais mis du fer. Ok, ça c'est cool. J'ai beaucoup de fer. Hop. On va tout ranger, tout ça là, on n'a pas besoin. J'ai mis hop. Le bois, tac, je vais m'en servir. Ah mince, c'est ce que j'ai posé du charbon. Non, je vais regarder si j'ai pas. Ouais, non, j'ai vraiment que dalle de charbon. Comment j'ai fait pour miner sans charbon? Hop, ça je prends. Ça je prends, ça je prends. Bon, j'ai pas eu le temps. Ça je prends aussi pour me faire quelques petites torches. J'ai quand même mis beaucoup de four, hein. Je vois pas que ça me... Je pense pas que ça va me servir à grand chose. Bon, de toute façon, c'est un monde. Ah, mais si, j'ai des torches, qu'est-ce que je raconte? Hop, 34, c'est suffisant. Au pire, je m'en ferai là-dedans. Oui, j'ai assez de bois. Bon, je vais aller miner, ça tombe bien. C'est bientôt la nuit. Tiens, la mine, elle est là. C'est bientôt la nuit. Donc, je vais miner. Je vous montre un petit peu comment j'ai fait. Donc, ça, du coup, j'ai joué en 1.10 pendant un bon bout de temps. Et c'est vrai que les textures, elles ont changé quand même un peu. Je suis dans ma mine. Du coup, je suis remonté une fois parce que j'avais oublié d'amener un seau d'eau au cas où je trouvais de la lave. J'ai un petit peu pris une pioche, une pioche en diamant juste pour ça. Ok, donc déjà la mine, là, c'est un peu le bazar. Ah bah voilà, c'est nickel.
J'avais déjà trouvé de la lave. Ok, hop. Tac, super. Ouh là, elle est encore plus violette qu'avant. Et ça fait bizarre parce que du coup, ouais, j'ai pas remarqué ce changement, mais en revenant en 1.10 et en revenant là, et ben je vois tout de suite qu'il y a un énorme changement sur toutes les textures. Personnellement, moi ça me gêne pas. J'ai pas vraiment de préférence. Je trouve que celles-ci elles sont plus clean, un petit peu plus fondues, j'aime bien. Mais voilà, là c'est à dire qu'il y a. Il n'y a pas de comparaison avec l'ancienne. L'ancienne, c'est beaucoup trop bon souvenir. Donc voilà, même si je préfère l'ancienne en vrai, celle-là, eh bien aussi, je sais pas, vous avez qu'à vous fighter dans les commentaires hein, pour choisir laquelle est la meilleure. Pour l'instant, moi, j'ai pas trop envie de faire de choix. Bah, j'ai de quoi faire ma table d'enchant. Pour l'instant, on s'en fout un petit peu du portail. Ok. Du portail. J'ai récupéré l'eau au cas où. Tac. On s'en fout un petit peu pour l'instant. Attendez. Ah, j'en ai pas pris assez. Je suis bête. Je suis trop bête. Il m'en faut plus. En plus, il n'y a plus de lave, je crois, j'ai tout cassé. Allez, coupe-toi. Allez, allez. Nickel, c'est bon, j'en ai assez pour faire ma table d'enchant. On va tout de suite, je vais tout de suite vous montrer comment la nouvelle petite technique pour miner. Et ça pourra vous servir pour tous ceux qui ont Minecraft. Hein. Ça, c'est un truc, je suis sûr et certain que ça va vraiment vous servir pour tous ceux qui ont Minecraft. On va la commencer ici, tiens, hop, parfait. Alors, tout d'abord, vous prenez, voilà, un 4 par, un 2 par 2, pardon. Et vous allez continuer tout droit. Voilà, pendant, allez, une cinquantaine de blocs, pendant 2-3 chunks, quoi. Vous cassez juste devant vous. Vous faites toujours un, bien sûr, que comme ça, du 4x4. Alors là, normalement, est-ce que je suis en couche 9? Alors moi, je faisais en couche 8. On va descendre une petite couche, comme ça. Hop, hop. Moi, je faisais en couche 8. C'est là où j'en ai trouvé le plus. Après, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une différence. Mais en tout cas, c'est... Oh, j'ai déjà cassé. C'est là où j'en ai trouvé le plus, donc peut-être que c'est là où je continuerai à en trouver beaucoup. En tout cas, là pour l'instant, il n'y a que du fer. Bon, c'est intéressant quand même, même si je m'en fous un peu. Hop, on va quand même prendre le fer. Moi pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le diamant, plus vite possible. Beaucoup de diamants. Voilà, là c'est très long. Alors, je vais accélérer le moment où je ferai ensuite la suite de l'espèce de tuto minage. Ouais, vous pouvez me dire si vous avez déjà des techniques qui marchent mieux que celle-ci ou des techniques carrément similaires où vous avez déjà trouvé avant moi comment fallait faire. Voilà. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, ce serait sympa. Ok, j'ai trouvé de l'or ici. Bon, allez, je vous mets le passage en accéléré. À tout de suite. Donc là maintenant je me trouve à l'extrémité du tunnel. Bon, j'ai pas trop calculé, j'ai fait vraiment comme je sentais. Ensuite, quand vous arrivez là, alors pour vous expliquer pourquoi je fais du 4x4. Parce que tous les filons de diamants qui se trouveront, voilà, parce que généralement ils sont légèrement en volume, ils se trouveront par exemple ici, et bah les deux diamants apparaîtront et on verra la surface. Ça permet d'avoir beaucoup plus de surface déjà que si on creusait en un par un comme ça. Du coup, tous les diamants qui seraient là, 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 ici, un petit peu en profondeur, on les voit. Et après, ce que je fais, c'est que je bifurque, pardon, à cet endroit-là, en faisant un espace de 2 ici. Et après, bah, je recommence dans l'autre sens. Ça permet du coup de couvrir une autre surface qui est là. Et d'avoir déjà, là ici, on sait que là, il n'y a aucun diamant, puisque de ce côté-là, j'en ai pas vu. Et que si j'avance là et que j'en vois pas, on sait qu'il n'y en a pas. Donc ça permet d'écarter toute cette zone-là. Et pas besoin de miner plus. Et ensuite, je vais continuer comme ça. Et je, voilà, ici et maintenant, à partir de là, 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 là et là, j'ai des chances de trouver du diamant. Et du coup, ça permet de couvrir une grande surface en minant un peu moins que si on creusait un peu de partout. Et c'est un peu plus efficace aussi pour trouver, parce que vu qu'on a une plus grosse surface en cassant et un plus gros volume aussi, et bah, on a plus de chances de voir le diamant. Parce que franchement, le nombre de diamants auxquels on passe à côté, je suis sûr qu'il en a avoir quand même pas mal, hein. Donc maintenant je vais refaire, je pense là je vais faire une petite ellipse, hein, le temps de trouver du diamant. Allez les amis, à tout de suite. Et aussi petit truc dans cette technique de minage que je peux vous dire, c'est que ça permet aussi de ne pas se perdre dans ces mines. Hein, à tous ceux qui jouent à Minecraft, il y a souvent des fois où on se perd totalement dans nos mines et on n'arrive plus à trouver la sortie. Et c'est la galère et on finit par creuser au-dessus de notre tête
pour essayer de trouver la sortie, on se retrouve à 3 km de chez nous, voilà, etc. La grosse galère, tout le monde s'en souvient pour ceux à qui c'est déjà arrivé. Et du coup, bah, cette technique, elle permet aussi de couvrir une bonne distance, trouver plus de diamants et en même temps se pas se perdre, puisqu'il n'y a pas de vraiment, on n'a pas de galerie un peu partout, on n'en a qu'une seule, c'est juste qu'elle tourne. Et du coup, bah, ça permet de pas se perdre. Ça, je trouve que c'est plutôt bien. On est toujours serein et après, bah, il y a juste un truc à faire si vous voulez faire des raccourcis. Vous creusez sur le côté hors de par deux, bien sûr. Là, j'avais pas commencé ma mine ici et ça me permet de trouver de l'or. C'est nickel. Voilà, je pourrais déjà me faire des pommes dorées. Ça fait même pas longtemps. Bon, je vais essayer de vous montrer. C'est un peu bizarre par contre. Pourquoi? Ah non, c'est parce que ici j'en ai trois. Voilà. Normalement, voilà, juste derrière. Hop. Voilà, ici, je trouve la sortie parce que je me suis décalé d'un ici. Et du coup, bah après, voilà, vous avez juste à tourner comme ça. Et ça permet de faire des raccourcis aussi. Mais ça, c'est pas indispensable. Hein. Ça rend un petit peu plus compliqué la mine. Mais après, au bout d'un moment, quand vous commencez à avoir 3 km de galerie, même si c'est la même, faire les allers-retours, ça devient long. Donc vous faites deux petits trous par-ci par-là. Et comme ça, bah, ça permet d'aller plus vite. Mais ça va pas servir à grand-chose en tant que minage. Parce que du coup, on sait déjà qu'il n'y a pas de diamants ni d'autres minerais. Donc me revoilà sorti de la mine. Alors il fait nuit. C'est un petit peu les squelettes. Je pense que là je ne peux pas dormir. Et je vais éviter de dormir parce que vu le nombre de monstres qui sont là. Bon, en tout cas j'ai trouvé beaucoup 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 de diamants. Mais vous imaginez pas le temps que j'ai passé, le nombre de pioches en fer que je me suis refait. C'est un truc de fou parce que du coup je voulais pas user la pioche en diamant. Je l'ai laissée, je l'ai pas touchée. Et du coup je suis remonté pour aller chercher du bois, des trucs et tout. Et ensuite, bah, j'ai fait des trucs. Alors là, ça m'a pris un temps de fou. Je crois que ça fait 3 jours que j'y suis dessus. J'ai trouvé vraiment beaucoup de diamants. Ça met un temps de fou à en trouver. Et du coup, bah, je vais pouvoir faire ma table d'enchant. Si j'ai ce qu'il faut. Alors, du coup, là, c'est la nuit. Parce que je crois qu'il faut un livre. Hein. Il faut un livre hein, pour faire une table d'enchant. Je me souviens plus, je m'en souviens jamais. J'ai tendance, du coup, ah mince, j'ai pas pris. Hop, à essayer, vous voyez, comme ça, à faire ma table d'enchant en mettant ça, mais voilà, ça marche pas. Il y a besoin d'un livre. Hein. Il y a besoin d'un livre. Je vais regarder si jamais voilà, j'ai omis. Non, monstre, c'est un truc de fou. Bon, je vais refaire l'ellipse hein, le temps que le jour arrive. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai fait passer la nuit et c'est en train de cramer tout dehors. Super. Alors, bah, je vais tout de suite plutôt en profiter pour me faire voilà une petite épée. Bâton, bâton, bâton. Ah, ça, il me reste quand même deux. Tac. Voilà. Oh, ils ont quand même changé même toutes les textures, quoi. C'est un truc de fou. Mince. Ouais, j'ai large assez, hein. Oh, ah, mais j'en ai trouvé tellement beaucoup en vrai. Vous imaginez pas le temps que ça m'a pris. Non, du coup, je peux pas le prendre. Tac. Et en dernier, les petites bottines. Tac. Mettre ce qui me sert à rien. Ouvrez-moi de diamants. Ah, super. Hop. Hop. Avec. Il ne me reste plus aucun charbon. Ah, je suis trop bête. J'en ai pas pris. Oh là là. Et bon, on va mettre des planches pour mon or. Écoutez. Le fer, bah, j'attendrai. Ok. Donc là, on peut tout de suite virer le fer qui sert absolument à rien. Pour se couvrir de diamants de la tête aux pieds. Ensuite, on va détruire tout ce qui va essayer de nous tuer. Ouais, toi, tu fais pas encore longtemps. Est-ce qu'il n'y aurait pas le petit. Ouh lolo lolo. Alors, vas-y, tue-le. Tue-le. Allez, tue. Oh non, il ne peut pas le tuer. Je vais essayer. Ah, ça lague un peu quand même. Hein, quand il y a des monstres qui arrivent, ça me gêne un peu. Voilà. Je vais me sécuriser. Ouais, il a fait aucun doute. Ah bah tiens, parfait. Du charbon. Nickel, j'aurais que deux petits charbons tout pourris. Oh, je suis dégoûté. Il y a deux petits charbons tout pourris. Bon, moi je vais chercher du coup. Ah, tiens. Là, je me fais shooter par plein de trucs là. Alors, ah, oh, mais c'est pas possible, ils sont combien? Ah, il y a lui, il y a le mec avec l'arc enchanté là. Tiens, lui, tu. Ok, il est mort. Ah, mais pourquoi je lag là? C'est pas possible. Il m'a rien looté. Hein. Ah non, il a rien looté. Les os. Voilà, parfait. Ok, alors j'aimerais bien trouver de la canne à sucre pour me faire un bouquin.
crois que j'ai déjà un peu de cuir. J'ai du cuir, mais j'ai pas de canne à sucre. Ah bah si, je suis bête, j'en avais planté plein. Mais qui suis-je? C'est pas possible, je suis vraiment très bête, hein. Ah non, mais il y en avait juste à côté de ma maison, que je pouvais m'en souvenir, j'avais passé, je les ai toutes plantées d'un seul coup. Oh, je suis nul. Oh là là, qu'est-ce que je suis bête, c'est pas possible. Je m'en veux clairement à moi-même, là. Moi qui étais en train de stresser, je vais devoir aller loin pour aller chercher de la canne à sucre, mais non, en fait, j'en avais déjà planté des centaines de millions. Comme un gredin, hop! Ah, du coup, je vais aller tuer des vaches, tiens. Non, ça c'est pas des vaches. Je l'avais pas enlevé celui-là, ni d'abeilles. Ah non, j'ai juste pris les abeilles. Oh tiens, y a du miel dedans. Ah, je vois, il y a des petits trucs jaunes qui sortent, c'est qu'il y a du miel. J'en ai fait qu'une seule, c'est vrai, on peut en faire qu'une seule. Hop. Ah là, fiole de miel, super. En fait, peut-être que là. Ah non, toi, t'es pas pleine, hein. T'es pas pleine. Aïe, 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 aïe. Ok, tant pis. Alors. Aïe, c'est vrai que j'avais une petite ruche là-bas. Je sais pas si elles ont dispo, mes abeilles. Parce que je les vois pas. Je vais régler ce petit problème de lag là, c'est bizarre. Tout de suite. Hop, me revoici. Bon, ça n'a pas trop marché, je vois. Bizarre. Alors, du coup, j'ai ma canne à sucre. C'est nickel. Je vais juste enlever tout ce qui sert à rien. Ça sert à rien. Le fer, je vais faire cuire. J'imagine que j'ai dû rien tenir là. Oh mince, j'ai même pas pris. Oh, je suis bête. Je suis bête des fois, moi, des fois. Je suis tellement bête. Tac, c'est pas possible ce que je fais de nul. Hop, ça, je mets ça là-dedans. J'en ai pas besoin de poudre à canon, ça, je m'en fous. Le papier. Hop, nickel. Voilà. Comme ça, on va pouvoir aussi enchanter des livres. Normalement, j'ai assez de fer. Je pense que j'ai assez de fer pour. Tac. Voilà. Hop. Et avec le reste, eh ben, je peux déjà me faire une toute petite. Où est mon bois? J'ai tout gâché mon bois, je crois. Ah, mais non, mais je suis bête. Ça fait combien de fois dans cette vidéo que je dis je suis bête? C'est pas possible. Tiens, il y a un orage, je vais me coucher. Et je sors dehors. C'est vrai. Ça risque d'être chaud si je me couche et que je me réveille à côté des monstres, je vais me faire défoncer. Merde, j'ai mangé le tiers de miel. Hop. Non, ça servait à rien. Le fer, on va prendre 45. Ouais, c'est nickel, je peux le faire une enclume. Ça, c'est bien. Le bois, j'ai dit, j'ai déjà tout pris. Non. Tac. On va faire juste une petite. Voilà. Avec le livre qu'on a. Nickel. Voilà, top d'enchant, t'as un petit peu rien à faire. Je vais la poser dehors. Hop. Et ça, je vais le mettre derrière. Nickel. J'ai commencé par enchanter tout ce bazar. Flot des arthropodes, je m'en fous. Tac, 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 tac. J'ai 17 niveaux. Ok, protection 1. Je regarde s'il n'y a pas des enchants un peu plus stylés que ça. Protection 1. Allez, je pense que je vais plutôt, au lieu de m'embêter à faire ça, je vais faire une ellipse. Je vais aller voyager un peu, aller tuer un maximum de vaches pour faire du cuir. Allez, les amis, encore une fois, à tout de suite. Et je pense qu'après l'épisode. Ouais, je pense qu'après, quand j'aurai enchanté tout ça, je vais arrêter l'épisode. Et ensuite, je pense que je vais faire une grosse ellipse dans les épisodes où je vais vraiment farmer, farmer tous les enchants. Je vais revenir quand je serai bien enchanté comme il faut, juste pour vraiment prendre le moins de temps possible avant d'aller au Nether parce que j'ai vraiment envie d'y aller. Allez, les amis, à tout de suite. Re, ça fait très longtemps du coup que je suis parti. Je crois que ça fait ouais bien 2 heures et demie que je suis allé chercher tous les trucs. J'en peux plus, mais j'ai fini ça. Et maintenant, je vais, attention, ouvrir mon inventaire. Bravo. Niveau bœuf cru, là, je suis full full les gars. Alors là, vous pouvez. Je suis à fond. Ah là, j'ai tué plein, plein, plein de vaches. Ah non, mais vous pouvez pas savoir le temps que ça a pris, le nombre de vaches que je suis allé trouver. Je suis parti très loin de tous les côtés. Après, j'ai dû prendre, faire les coordonnées et tout. Mais finalement, je m'en suis sorti. Et du coup, je vais pouvoir enchanter très vite, très bien. Et ça, c'est cool. Alors déjà, tu me demandes. Moi, je suis pas d'accord. On va prendre tout ça là, hop. Parce que du coup, je viens de remettre mon armure. Ça faisait longtemps, je suis parti avec ma CP en fer. Ouh là 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 là.
Oh, ça défonce tout, hein. Ça donne des trucs super, mais le. Mais moi, je voulais pas juste du prot. Y a pas des trucs bien, s'il vous plaît? Parce que moi, le protection 1, je m'en fous. Fortune 1. Si on mettait un petit fortune 1, c'est parfait. Voilà, comme ça, bon, ça va changer les enchantes. Solidité, épine, protection 1. C'est pas possible, faut pas mettre des trucs. Est-ce que maintenant j'ai des trucs de meilleure qualité? Oh, mais c'est pas possible! Je vais devoir aller farmer des niveaux pour le protection 4, quoi! Solidité 3. Protection 4 aussi. Je vais regarder si j'ai pas un truc intéressant pour l'épée. Toujours le même truc. Le butin, j'en ai rien à faire. Je pense qu'après, je prendrai des petits enchantes. Mais avoir un petit protect 4, ça me plairait. Ouais, mais il faut 30 levels, ça va me bousiller 3. Tout, 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 tout. C'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué les enchantes, hein. C'est pas aussi facile qu'on pourrait penser. Je vais aller du coup tuer des trucs qui donnent de l'XP, il n'y a pas grand chose. Là, dans le coin, par là-bas, j'étais allé. Je vais trouver des vaches, mais il faudra plus, hein. Il en faudra bien plus, bien, bien, bien plus. Ce serait presque temps de faire une ferme à XP en fait pour les enchantes. Il y a des poulets. Ah, il y a masse cochon. Oh, ils ont popcorn eux. Oh, trop bien. On va les tuer. Je crois que la hache peut les tuer en un coup. Bon, ne regardez pas ça. Je vais couper ça au montage parce que c'est vraiment. Me revoilà en lieu sûr. Alors, vous imaginez pas là le nombre de monstres que j'ai tués. J'ai réussi à monter jusqu'à 33 niveaux. Ça commence à faire beaucoup d'XP. Et j'ai bien défoncé mon armure. Voilà le nombre de flèches que j'ai. J'aurais peut-être dû faire tout de suite un bouclier. Je vais penser là, je vais faire. Ah, mais attendez. Crois. Non, si, c'est bon. Je me rappelais d'un moment où j'avais pas réussi à en crafter, comme si je me souvenais plus de comment on a crafté. Mais là, c'est bon. Ils ont changé la texture, non? Ok, on va attendre gentiment que le jour revienne. Voilà. Lingot d'or. J'ai regâché du bois, mais c'est pas grave. Ok, j'ai pas eu 2-3 petits charbons là? Non, j'étais déjà utilisé. Bon, j'ai beaucoup de fer, je vais tout de suite faire mon enclume. Il m'en faut 4. Non, 1, 2, 3. 2, 3, tac, le reste. Il ne peut pas réagir plus vite. Plus vite. Non, mauvais. Voilà. Parfait. Ok. Je regarde juste dehors qui. Rien, donc du coup je suis à 33 niveaux. Ah mais je suis bête, pourquoi je sors? Je vais me faire exploser là. Je vais me faire exploser. Je vais continuer à manger. Regardez là-bas le jour qui se lève. Magnifique. Ils vont tous mourir dans quelques instants. Et moi je vais regarder ça avec joie parce qu'ils m'ont fait très 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 mal. Ah, j'en peux plus. Je viens juste d'avoir mon armure en diamant, ils m'ont fait du mal. Je vais regarder combien faut faire pour passer des genres des niveaux quand on arrive dans les 30 niveaux. Je crois qu'il faut quand même des. À mon avis, au moins des 100, 100 d'XP hein, pour continuer à monter. J'en ai tué vraiment, vraiment beaucoup des monstres. Mais vraiment une tonne. Et en plus, je crois que je suis. Ah, je suis en difficile, hein. Je suis en difficile. Pourquoi mon ALN. Ok. J'ai dû partager sans faire. Ah oui, c'était tout à l'heure. Ouais, il y a quand même pas mal de monstres. Bon, ça va commencer à cramer là. Je suis plutôt tranquille. Je peux sortir. Ah, ça fait plaisir. Allez-y, tapez-moi. Oui, vous mourrez. Je vais mourir gentiment, s'il vous plaît. Voilà, c'est parfait. Oh non, 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 non. Bâtard. Petit cochon. C'est pas possible. Temps de travail. Oh, je suis dégoûté. Vous savez pas comment. Oh, c'est pas possible. Oh, je suis trop dégoûté. Oh non, mais non, c'est pas juste. Je fais tout. J'ai mis des jours entiers à le faire. J'en peux plus. J'en peux plus. Là, c'est vraiment trop nul. Je venais juste de faire ma super table d'enchante, quoi. Et là, pouf, j'ai plus rien. J'ai envie de me suicider. C'est un truc de fou. J'ai envie d'arrêter cette série. J'abandonne. C'est trop difficile. Ah, il y a une dame là-bas. Est-ce que je le tue? Allez, pour le fun. Ah! Regarde-moi! Tu me. Regarde-moi, voilà, là je te vois. Ouais. Je te regarde! C'est possible, j'arrive pas à l'énerver. Look at me! Yes, je crois que je l'ai eu. Oh non, il s'est juste TP. Oh, lui.
Ça, j'aurais bien aimé voir, avoir un petit truc, un petit loot, ça aurait été cool. Ok, bah je vais essayer d'enchanter tranquillement ce que j'ai. Avec du coup, avec plus grand chose qui me reste. Hein. Ah, mais maintenant ça fait baisser les. Oh non! Alors là, je suis dégoûté, forcément, je suis bête, y a plus. C'est pas possible là. J'ai vraiment trop pas de. J'ai pas de chance du tout. Les lits, j'abandonne, hein, je vais plus en mettre. Allez, c'est bon. Hop, je vais jeter ça. J'en ai plus besoin, juste pour mettre, voilà, mon armure. Tac, essayer de trouver des bons enchantements. Oh, mais c'est pas possible, tu vas pas m'embêter tout le temps, toi! C'est quoi la poudre qu'elle m'a donnée? C'est la poudre lumineuse? Ouais, c'est la poudre lumineuse. Ils ont changé la texture de la poudre lumineuse. C'est pas possible du coup, la sorcière qui est venue me détruire pendant que j'ai mes enchantes tranquilles. Mais c'est quoi là, leur délire? J'en ai marre. Oh, protection 2, ça c'est cool. Ouais, insolidité, ça c'est génial parce que dans le Nether ça va être hyper chaud. Allez, protection 1. Ah, vous voyez, je suis content. Protection 1, j'ai vu. Protection 3! Mais tranquille! Hop là, et combien? Chute à Amortica! Mais c'est bon en vrai, j'ai des. Oh là 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 là! Les enchantes de fou en vrai que j'ai! Allez, apnée, protection 2, tac! Et il m'en reste encore 20, recul, tranchant 2. Est-ce que j'ai assez? J'ai assez de. Il m'en coûte 3, j'en aurai 20. Je tente, est-ce que j'aurai juste un tranchant quelque chose? Ce serait hyper cool. Et après, bah au pire, j'en fais une autre. Hein. Tranchant 2, recul 1. Je vais essayer de faire une tranchant plus. Une petite tranchant en plus là. Il me reste un mi-cœur. Je rigole, je me fais taper par un moment, je meurs. Tout de suite. Hop, j'ai gâché tous mes bâtons. Non, c'est bon, je peux utiliser le tout dernier pour me faire une toute dernière épée. Voilà. Et du coup, finalement, j'aurais pas trop besoin d'aller chercher d'autres enchantes. Ça, c'est cool. J'aurais pas trop besoin d'aller chercher plus de trucs parce que j'ai gagné beaucoup de niveaux. Mais voilà. Mais c'est facile. Mais c'est trop facile. Arrêtez. Mais arrêtez, c'est pas possible. Allez, j'ai du tranchant 2, tranchant 3. Si j'arrive à trouver. Bah, je suis bête, j'ai encore assez de diamants. Oh, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Là, je suis content du coup. J'ai quand même des super enchantes, même si j'ai pas tant de bibliothèque que ça. Alors, c'est vachement cool. Donc, je vais pouvoir me faire une dernière épée. Il me faudrait une épée tranchant 2, du coup. Une épée tranchant 2. Voilà. Pour ensuite la mettre avec l'autre, faire une épée tranchant 3. Et ensuite fusionner les deux. Et avoir une fucking tranchant 4. Pour tout défoncer. Hop. Et après, je pense que je vais arrêter là la vidéo. Parce que ça va commencer à faire long quand même. Hop. Allez. Une petite tranchant 2 qui fait plaisir. Je crois que j'ai plus assez d'XP. Tranchant 1. Je crois que j'ai tenté la 2 tranchant 1. Je vais mettre en tranchant 2. En plus, j'ai un petit recul. C'est parfait. Mais c'est trop bien. Je vais ranger ça. Hop, hop. Dernière épée. Parce que du coup, j'ai vraiment du diamant à foison. J'en ai plus que ce que je voulais. Donc, oh mince, j'ai fait tomber les sticks. Tac, tac. Nickel. Allez, un dernier tranchant à 1. Et je suis nickel. Je peux faire tout ce que je veux. Tranchant à 1. Tac, tac. Ensuite, assemblage. Je pense que j'aurai pas assez d'XP. Mais tant pis. J'aurai quand même le mérite d'avoir participé. Non. Tac. Alors la tranchant 2. Non, d'abord les deux tranchants 1. J'ai dit tranchant 3 plus tranchant 1. Ouh, j'ai failli mettre la tranchant 3, je suis trop bête. Là j'ai une tranchant 2. Tranchant 2 plus. Ah, pas tranchant 3. Tranchant 2. Est-ce que j'ai assez d'XP? Ah, il m'en a pas assez. Bon, bah tant pis. On fera ça la prochaine vidéo. J'ai deux tranchants 3 plus une recul 2. Donc on va être dans le Nether. En vrai, on va être trop bien parce que les monstres qui vont nous attaquer. Avec un bon recul, ils vont loin. Là, j'ai du protection 2 de partout, voire du protection 3. On est vraiment très très bien là, les amis. On est vraiment très très bien pour la suite. Je vais mettre ça dans ma main. Je vais vider parce que je vais faire l'outro. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que du coup, vous êtes contents que j'ai trouvé beaucoup de diamants. Et du coup, finalement, ça se finit pas si mal que ça. C'est un épisode qui m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire. Donc j'espère que vous pouvez bien défoncer cette barre de pouce bleu. Aussi, partagez la vidéo, abonnez-vous. Voilà, je tiens beaucoup là-dessus. Si j'ai envie d'avoir les 1000 abonnés pour vous passer ce magnifique skin Playbimo que vous avez tant envie d'avoir. Enfin, je sais pas. Mais pour l'instant, voilà, je compte pour ceux qui ont envie de l'avoir. De partager un maximum cette vidéo et ma chaîne pour pouvoir atteindre ce seuil. Voilà. Alors voilà. Après que vous avez fait tout ça, bah, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Allez les amis, à la prochaine!